Michel Chartrand n'aurait jamais accepté d'être cuit, bien cuit et rôti, si cela n'avait été pour une cause. Il est de même, Michel. Faire n'importe quoi, ça y prend une cause. Et après, il cause. Habituellement, il parle en premier. Mais ce soir, il a accepté d'avoir le dernier mot en dernier. Et s'il a accepté de laisser parler les autres, c'est à cause d'une cause, celle de l'autre journal, qui publie maintenant aux deux semaines. L'autre journal avec une apostrophe pour apostropher. D'ailleurs, je suis sûr que c'est à cause de l'apostrophe que Michel soutient la cause de l'autre journal. D'ores et déjà, Michel Chartrand occupe une place dans notre histoire, et sa place dans l'histoire, c'est sûrement pas celle du E muet. Ça pourrait être le R parce qu'il roule ses R, mais ça pourrait être aussi les I, les points sur les I, parce qu'il a remis pas mal de points sur les I dans sa vie. Mais avec ou sans points, ça a toujours commencé par une apostrophe, comme peuvent en témoigner tous les boss, tous les juges et tous les politiciens qu'il a dûment, joliment, joyeusement et vertement apostrophé. Si on vivait à une autre époque et qu'on était invité à un bien cuit de Michel Chartrand, vous pouvez être sûr qu'on serait passé à des tables, on serait debout sur la place publique et Michel serait giqué sur un bûcher. Il ferait beaucoup de fumée parce que c'est du bois vert. J'admets qu'on imagine mal Michel en Jeanne d'Arc, mais beaucoup plus facilement en Michel Servet. Ça, c'est un théologien qui a été brûlé à Genève. Et juste avant qu'on allume le bûcher, il a lancé à ses juges, « Vous pensez en avoir fini avec moi? Bien, vous faites une grosse erreur parce que je vous attends en enfer pour continuer notre discussion. » Alors, on est tous des amis de Michel, donc on est tous des gens sympathiques et dignes d'intérêt. Donc, on va tous se retrouver en enfer un jour, et ce jour-là, faites-vous pas d'illusions, qui c'est qui va s'indiquer les pauvres diables qui s'occupent du charbon dans le pit? Michel! Pendant des années, Michel a improvisé un monologue que j'aurais aimé avoir écrit. Je profite donc de l'occasion pour vous en donner ma version. Ça s'appelle « La journée du parfait colonisé ». J'espère que je ne me suis pas mêlé dans mes pères. Non, j'ai une chance, oui. Vous êtes-vous déjà demandé à quel moment donné de la journée un Québécois se sent Québécois? Quand il se réveille le matin, c'est intense mais ça ne dure pas longtemps. Jusqu'à temps qu'il se rende compte qu'il est couché dans des draps de 2 millions de textiles. Pis, c'est juste des draps, c'est pas un linceul. Fait qu'en se donnant un swing pour se lever, il fait craquer un matelas Simons. Mais lui, il est sur 2 millions de clottes de linoléum. Puis une fois dans la chambre de bain, il s'appuie sur un lavabo crème, ouvre une chambre American Brass, se lave avec un savon Procter & Gamble, se fait avoir avec un rasoir Gillette et une crème Lever Brothers. Fait que lorsqu'il se regarde dans le miroir, il faut qu'il se prenne à deux fois pour pas se dire « How are you? Okay. » Il s'en va à la cuisine pour déjeuner, pour se donner des forces pour affronter sa journée. Il glisse deux tranches de pain d'Ogilvy pour Flour Mills dans un toaster Westinghouse. Il se verse un verre de lessive d'Est en faisant cuire son bacon Wilson et ses œufs Canada Packer dans sa poêle Teflon. Comme il est bon appétit, ben, il décide de manger des céréales de General Foods en y ajoutant des tranches de banane de United Fruit. Il s'allume une cigarette de l'American Tobacco, il ajoute un peu de sucre St. Lawrence Sugar ou Acacia Sugar Refinery à son café Maxwell House de General Foods. Puis américain que ça, tu meurs. C'est pour ça qu'en sortant de la maison, il ne se rend pas compte que la poignée de la porte, c'est la General Steelworks. En la fermant, il prend note que la vitre de la Dominion Glass est craquée, puis comme ça l'a déconcentré, il manque la marche de Canada Cement. Il est un peu sonné quand il embarque dans sa voiture de la General Motors, mais il est bien prêt pour aller travailler pour un poste américain. Il va passer sa journée à accrocher un téléphone de l'American Telephone and Telegraph. Sombré, qui tire une puff d'American Tobacco avec un coke. Le midi, il mange au McDonald's, puis l'après-midi, ben, un autre puff d'American Tobacco avec un Pepsi parce qu'il n'y a plus de coke. Le soir, en rentrant à la maison, il dit à sa femme, il dit plutôt,
Pourquoi qu'on n'irait pas au vu? Ça nous ferait une vraie idée. Fait qu'ils vont voir un film de la Warner Brothers avec Robert Redford et Sigourney Weaver au cinéma Lowe's de la chaîne Famous Players. Fait qu'à la fin de la soirée, entre le drap de la Dominion Textile, ils font l'amour. Elle, en s'imaginant qu'il est Robert Redford. Puis lui, qui est Marilyn Monroe parce qu'il aime pas Sigourney Weaver. Après, s'endorment bien dur. Puis pour la première fois de la journée, ils se sentent complètement et absolument québécois. Allez. Pensez-moi que c'est le temps qu'on se réveille, Chris. Moi, j'ai un point commun avec Michel Chartrand. Et comme on parle trop vite, pour beaucoup de gens, les gens disent, ils parlent beaucoup trop vite pour penser ce qu'il dit. Parle pour toi! Parce que dans un pays, surtout pendant très longtemps, on a associé le sérieux, le poids de la pensée à Claude Ryan. Vous avez remarqué que Claude Ryan, il a introduit une notion, parce que l'intellectuel, il faut que ça soit souffrant. Vous avez remarqué ça, il faut qu'il souffre. Chaque mot doit être dit à partir d'une longue souffrance. Ce qui fait qu'il y a aussi, en même temps, il a appris à la petite école qu'il fallait qu'il tourne sa langue 7 fois dans sa bouche. Mais d'ailleurs, avant de parler, il fait plusieurs mouvements qui sont effectivement mes 7 tours de langue dans sa bouche. Puis là, il dit des choses comme dans les écoles, là, il y a un genre de mouvement, il y a quelques tics, une réflexion, ça sort lentement. Il dit les enseignants enseignent. Et là, tout le monde est tellement heureux de voir quelque chose qui est sorti, qui ont l'impression que c'est une pensée profonde. Et ils donnent l'impression. Alors, de Michel et moi, on parle avec plaisir. Ça, c'est pas correct. Fait qu'à ce moment-là, les gens, ça déstabilise parce qu'ils ont l'impression qu'on parle trop vite et qu'on pense juste après. Pierre Bourgault, lui, n'a même plus besoin de parler pour être cité dans les journaux. Et même une fois qu'il a été cité à tort, on accorde encore le bénéfice du doute à ceux qui soutiennent qu'il aurait pu le dire, même s'il ne l'a pas dit. Alors c'est quand même une sorte de consécration à une cohérence de pensée qui dure depuis fort longtemps. Alors, pour lancer notre bien cuit, Pierre Bourgault. Michel Chartrand. Mais vous me connaissez? Je suis trop bon. J'ai beaucoup de difficultés à dire du mal des autres. Alors j'ai décidé, au lieu de parler en mon nom personnel, de faire parler d'autres personnes. Parles-tu au nom de Parizeau? Que j'ai interviewé. D'autres personnes que j'ai interviewées et qui m'ont dit un certain nombre de choses sur Michel Chartrand. Le vrai gars, il parle au nom des autres. Jacques Demers. Mon aile gauche est bien faible. Mes petits gars sont pas capables de la mettre dedans. Lui, Chartrand, quand il la met dedans, il la met dedans. Il fait ça gratis à part, ça.
Je sais pas s'il pourrait pas montrer à mes petits gars comment en mettre dedans comme il faut. Ça m'aiderait bien gros. Parce que moi non plus, je sais pas comment faire la mettre dedans. Pierre Pelado. Michel Chartrand. Chris, ça fait 50 ans que j'entends sacrer, Chris. J'aurais dû savoir, Chris, que c'est pas en sacrant qu'on devient riche, Chris. Alors, regarde-moi, Chris. Moi, j'ai pas perdu mon temps à faire du piquetage. Chris de Chartrand, s'il avait pas tant sacré, il aurait fait un Chris de bon boss. Il serait devenu aussi riche que moi, Chris. Qu'est-ce qu'il dit? C'est rien, c'est un Christ de bon gars pareil. Dominique Michel. J'ai cessé d'imiter Michel Chartrand pour ne pas avoir l'air de radoter. J'aurais dû continuer, ça aurait pas paru. Il fait ça en bas, là. Jean Chrétien. Chrétien. Chartrand, je lui ai parlé hier, il est malade. Hey, bon. Ah, c'est pas lui, ça? Toujours mêlé avec ces maudits séparatistes-là. Roger Deslandry. Ah. Power Corporation et la presse veulent aujourd'hui rendre hommage à Michel Chartrand. Il a toujours représenté ce que le Québec a produit de meilleur. Et c'est pourquoi nous le détestons. Comme vous le savez, Power Corporation a toujours soutenu Michel Chartrand dans toutes ses entreprises en espérant qu'elle le mènerait tout droit en prison. La presse continuera d'ouvrir largement ses pages aux propos de Michel Chartrand en espérant qu'il soit poursuivi pour libelle diffamatoire. C'est bon. Quant à moi, Roger Deslandry, je veux vous inviter, Michel Chartrand, à vous joindre à nous, la crème de la société, au sein du très sélect Beaver Club, en espérant que votre présence à nos côtés nuise à votre réputation. Pierre Trudeau. Mon confrère de collège. Chartrand! Qui mange la merde? Jacques Parizeau. Oh! Comme vous le savez, je me cherche un nouveau conseiller spécial. D'un homme discret et qui sait tenir sa langue. J'ai pensé à Michel Chartrand. C'est astucieux, non? Bien entendu, avant de lui faire cette proposition, je vais, consulter les gens de la Gazette.
Je dis qu'il se revenge un peu. Finalement, j'ai eu le privilège de recevoir un mot de Simone. Simone Monet-Chartrand, la femme de Michel. Michel, tu me manques. Comprends-moi bien, je veux pas que tu t'en viennes tout de suite. Je sais bien que les Québécois ont encore besoin de toi. Prends ton temps, fais ce que tu as à faire, et quand tu seras prêt, viens-t'en. Dis bonjour aux enfants, dis bonjour aux amis. Je t'aime, Simone. Bravo! Juste pour passer d'un sujet à l'autre, il y a un petit poème qui est extraordinaire qui dit « Notre Père qui es aux cieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre, merci, qui est quelquefois si jolie. » Et maintenant, nous allons passer au prochain saucier, qui est Léopold Lauzon, qui va nous parler de sa vision de Michel Chartrand. Je demanderais, messieurs, dames, un peu de tolérance. Premièrement, je connais Michel Chartrand seulement depuis 3 ans. Je suis pas nous pas pleurer, si t'as rien à dire, on doit être là. Fais-nous pas pleurer. Et puis, je suis pas un humoriste, je suis juste comptable. Oh. Trouver un comptable humoriste, c'est aussi rare que de trouver un comptable intellectuel. Et ça me fait penser, il n'y a pas longtemps, j'ai passé à l'émission Gilles Brou. Tu sais, on l'obstine un peu. Des fois, il frappe le monde. Là, il me dit, « Vous n'êtes qu'un intellectuel. » Je dis, « Pardon, monsieur, je suis comptable. » Bon. Et puis, je dis toute la vérité. Premièrement, avant de rencontrer Michel Chartrand il y a 3 ans, j'ai jamais lâché un juron de ma vie, je vous le jure. Et depuis ce temps-là, j'en suis rendu à ma 4e cure de désacrage. Mais ça, à tous les fois que je le vois, j'ai une rechute. Il faut dire que Michel Chartrand est plein de mépris pour les comptables. Et je suis comptable. Et c'est joke facile, parce que des fois, il y a des petits jokes faciles. Mais quand bon, on comprend. Des fois, bon, il me dit, Chris, tu comprends pas, tabarnak. Mais m'a te faire des colonnes, m'a te faire un 2 colonnes. Tu sais, il n'y a rien de plus méprisant pour un comptable, mais Chris, il a raison. Michel, c'est pas un 2 colonnes. C'est un 16 colonnes. Comme tout bon comptable, je ne suis pas capable de me passer de mes colonnes. Il y en a qui ne sont pas capables de se passer. J'ai apporté mon 16 colonnes. Bon, la première fois que j'ai rencontré, là, c'est la pure vérité. C'est ça qui va être moins drôle. Je suis moins drôle que Bourg. Parce que moi, c'est uniquement la vérité. La première fois que j'ai rencontré Michel Chartrand, il y a 3 ans, c'est en rapport avec l'autre journal. Et l'autre journal, pour arrondir, c'est fin de mois. Vous savez, c'est comme nous, les individus. Les fins de mois ne sont pas faciles pour l'autre journal. Il avait parti des soirées l'autre journal. Alors, il me dit, Léo, moi, je venais de finir une étude sur le régime épargne-action du Québec, un sujet qui n'est pas bien, bien drôle. Pas drôle du tout, parce que ça a coûté à la collectivité 1,2 milliard de dollars, si on nous met à le mentionner, en moins de 8 ans. Et ça a coûté, bon, bien, tous les petits investisseurs, où la majorité se sont fait léser. Donc, moi, naïf un peu, je dis, oui, je vais y aller à ta première soirée l'autre journal. Je suis comptable de formation, j'arrive là. Et puis, tout de suite, en arrivant, je me suis dit, oh, oh! Tu sais, il y avait des... Je me suis dit, Chris, c'est pas l'auditoire du Canadian Club ou du Beaver Club ou du Club Saint-Denis. Il y avait des queues en queue de cheval, des gars en queue de cheval, des gars avec des boucles d'oreilles, des chemises carottées. Il y en a qui se grattaient. Non, ben, je vous dis, Chris, je sais pas quel genre de bibitte qu'il y avait,
Mais c'est des bébés qui sont adaptés vite à l'autoroute de l'information parce que cinq minutes après, moi aussi, je me grattais. Et je vais vous dire, je continue à me gratter et depuis ce temps-là, je tiens dans mes poches une piège à fourmis. Pour le genre de bébite que j'ai, ça fait l'affaire. Le matin, un peu de raid, le piège. Merci à l'autre journal. Alors là, j'arrive, mon régime épargne-action du Québec. C'est un sujet pas facile. Michel Chartrand, naturellement, vole le show. Il me dit, je suis pas d'accord. Je dis, Michel, tabarnak, j'ai pas encore commencé. T'es pas d'accord avec quoi, Chris, tu sais? M'excuse. Bon, le régime épargne-action du Québec, il a fallu que j'explique à Michel. Parce que Michel connaît tout, mais il connaît rien. Il a fallu que j'explique que non, c'est pas, le régime épargne-action du Québec, c'est pas un concurrent au régime Weight Watcher. Il a fallu, quand j'ai parlé de la bourse, vous savez, naturellement, quand on parle du régime épargne-action du Québec, c'est lié à la bourse. Il y a l'association de sacoche. J'ai dit non, c'est pas une sacoche, Michel. Ah ouais, puis là, je me suis fait tomber dessus, lui et sa petite gang, naturellement. Tu sais, plus têtu que ça. Bénéfice net. Là, ils ont tous parti en peur. Je m'excuse, le bénéfice net, c'est pas propre, c'est pas immaculé. Je dis non, Michel. Un bénéfice net, ça veut pas dire un bénéfice propre ou un bénéfice immaculé. Il a fallu que je leur explique ça. Comme vous savez aussi, le régime épargne-action du Québec, c'est un abri fiscal. Ils confondaient ça avec des abris tempo. Il a fallu que je leur explique ça. Et là, bon, ben là, j'étais pas sorti du bois. Il a fallu, parce que dans le régime épargne-action du Québec, on a inondé les petits investisseurs d'actions subalternes. Bon, tous les syndicalistes dans ça, là, tabarnak, encore un autre. Même au niveau de l'investisseur, il y a des subalternes, puis il y a le patronat. Ben, j'ai dit, Chris, c'est ça, il y a des actions à droit de vote multiple, puis il y a des subalternes, comme dans bon, en tout cas. Tout ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas été considéré comme un gars d'extrême droite. Et dans cette soirée-là, il n'y a personne... Il n'y a personne qui a eu l'idée de faire la vague, en tout cas. Mais Pierre Dubuc est là pour le témoigner. Ça a eu un certain succès parce que ça a été la première et la dernière soirée de l'autre journal. Pas vrai, Pierre? Bon, c'est, je dis toute la vérité. Bon, là, il a fallu que j'annonce la nouvelle à ma mère. Bon, ma mère, c'est une personne un peu, tu sais, dans... Là, quand j'y ai dit, maintenant, Michel Chartrand, là, ça m'a piqué une crise. Elle dit, Léo, tabarnak! Je t'ai pas fait étudiant en comptabilité, puis tu tiens avec des syndicalistes. Puis Michel Chartrand, elle a encore foi que je réintègre, que je rentre dans les rangs. Puis son symbole, tu sais, son exemple, elle me dit, garde, Yvon Charbonneau, il a compris le bon sens. Moi, des fois, je fais des analyses économiques. J'en ai fait une dans le temps où le Parti libéral était au pouvoir sur la dilapidation des fonds publics. Et Michel va être là pour en témoigner tantôt. J'ai eu l'honneur qu'il assiste à mes conférences de presse. C'était plus ma conférence de presse. C'était la conférence de presse de Michel Chartrand. Bon. Et là, c'était sur la privatisation du Mont-Saint-Anne et des mines d'amiante asbestos. Bon. Là, il était là, tabarnak. Vous autres, les universitaires, c'est un bien grand mot, je suis à l'UQAM. Faut dire. Bon. Et puis, bon, vous savez, les comptables, on est toujours un peu complexés face aux économistes. Pour une fois, je me dis, Chris m'a parlé de valeur économique puis de valeur actuelle. Là, il m'apostrophe en pleine salle. Je vous jure, c'est la vérité, je vais dire. Mais tabarnak, vous autres, expliquez-vous donc comme il faut les valeurs actuelles. Là, ils ne comprennent rien. Quand ils ne comprennent rien, bon. Ben, j'ai dit, Michel, m'a donné un exemple. Exemple, si on déterminait la valeur actuelle de l'ex-ministre Bourbeau, on arriverait à un gros zéro. Bon. Tu sais, j'ai un peu de retenue, de sobriété, contrairement à Michel Chartrand. J'ai beaucoup de plus de retenue. J'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai jamais dit que si on déterminait la valeur actuelle du ministre Bourbeau, on arriverait à un gros zéro. J'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est si on déterminait la valeur actuelle du ministre Bourbeau, on arriverait au mieux à zéro. Et puis là, bon, Michel étant là, naturellement, j'étais associé à lui. L'ex-ministre Bourbeau me dit le lendemain, dans les journaux, on sait bien, il m'affiliait au PQ, il dit le jupon dépasse. Bien, je dis tabarnak, j'aime mieux que le jupon dépasse.
que mon jupon dépasse que d'avoir continuellement les culottes baissées. Bon, puis là, naturellement, l'ex-premier ministre Daniel Johnson est intervenu. Je vois pas pourquoi, tu t'entends. Il dit, les autres, comme Michel Chartrand, ils ont confondu revenu brut avec revenu net. Ben, m'excuse, messieurs, dames, pour un comptable, il n'y a pas pire insulte que de dire qu'on confond revenu brut avec revenu net. Chris, c'est aussi gros que de confondre une mouche à chevreuil avec un chevreuil. Ah ouais. Puis à la fin, le lendemain, il dit ça dans les journaux, il dit ça y est. Il dit, l'Ozon discrédite l'UQAM. Comme s'il avait besoin de moi, Chris, tu sais. Non, ben, selon le dernier sondage McLean, on était 35e sur 38e. Mais je dis, calice, si le prochain sondage, on est 38e sur 38e, on va le prendre personnel. Et puis Michel, quand il se sent coincé, il parle en latin. Il sait bien, calice, j'ai pas de culture, je suis comptable, c'est bon. Il sait qu'il me perd. Mais il en met un peu aussi. Mais comme comptable, on est toujours complexé parce qu'on manque de culture, on est toujours complexé. Une fois, il me lâche tout coquille, mes filles, quelque chose de même. Ça voulait dire toi aussi, mon fils. Je sais pas ce que j'avais fait. Mais moi, un peu prétentieux. Après ça, je m'en vais au restaurant avec mon stagiaire est là. Là, j'avais pris un coup, puis il m'a crié fort. Puis les gens s'apprennent à dire de l'ozon, s'ils parlent latin, c'est pas n'importe qui. Je lâche ça, fort latin. Tout coquille, mes filles. Je pensais que ça voulait dire « toi aussi, mon fils », mais ça voulait dire quelque chose comme « lâche pas la patate, c'est il y a un gars qui est venu me voir bien vite, il a dit « non, c'est pas ça, pas tout, c'est t'sais. » Bon, il y a 4 mois, ma blonde m'a quitté. Vous allez dire « comment peut-on quitter un être si charmant? » Elle était en informatique, c'est-à-dire les 6 derniers mois, elle a tenu un système en parallèle, moi pas un autre. Vous savez comment c'est en informatique? Quand le nouveau système est rodé, bon, on flush le vieux. Bon, là, non, réellement, je filais un mauvais coton, puis là, bon, je rencontre Michel. Michel pourrait être là en témoigner. J'aborde ça. Je dis, ça fait 2 mois qu'elle m'a dumpé. Et tu tabarnak, Léo. Tu commenceras pas à compter ta vie personnelle puis à nous écœurer avec tes problèmes. Tu crées, je me suis ennuyé de Jeannette Bertrand puis Claire Lamarche. Bon, là, il me sort des expressions style, ça faisait 6 ans, Michel, j'étais avec, tu sais, il me semble, tu sais, je me dis, bon, je vais être confident, tu sais, puis bon. Il me sort des expressions style, bien, ça fait 6 ans, mais c'est comme la peau, à toi et 6 ans, on change de peau. J'étais à Bandac, ça m'aide, tu sais. Ou il me dit, c'est comme les fermiers, vous dites, il me dit ça, il dit, les fermiers tournent leur terre à toi et 6 ans. Bon, je suis calé, ça m'aide, tu sais, je me sentais mieux déjà, là, tu sais. Ou il me dit, il me dit, Léo, ça, je ne l'ai pas pris, par exemple. Il me dit, Léo, les femmes, c'est comme un autobus. Bon, je dis, Chris, peut-être qu'il va sortir quelque chose d'intelligent. Il dit, il y en a une autre à tous les 10 minutes. Ah, ben, ça. M'excuse, Asti. Je vais te jure. Ça, je ne l'ai pas pris. Michel, je suis en train de mon cul. Hein? Là, je ne l'ai pas pris, je dis, Chris, là, trop, c'est trop. Tu sais, je suis d'accord, je suis bien d'accord avec vous qu'à STSUM, ça va mal, mais pas tant que ça. Michel Chartrand, ça m'a apporté juste des troubles. Hein? Ça m'a apporté des problèmes. Mais une chose, moi, avant de le connaître, j'étais complexé. Mais Chris, depuis que je l'ai vu, je trouve que j'ai un nez de bébé. On poursuit maintenant avec l'invité surprise, Marie-Claire Séguin. Et lorsqu'on l'a contacté pour lui demander si elle voulait participer à la soirée, sa première réaction, c'était « oui, la main gauche ». Et c'est une association d'esprit très importante par rapport à Michel, puisqu'il n'y a pas juste la main gauche, mais il y a le cœur à gauche. Alors, Marie-Claire Séguin. «
celle qui n'a jamais parlé. Elle hésite, elle est si gauche que je l'ai toujours cachée. Je la mettais dans ma poche et là, elle broyait du noir. Elle jouait avec les croches et s'inventait des histoires. Je t'écris de la main gauche, celle qui n'a jamais compté, c'est celle qui faisait les fautes, du moins on l'a raconté. Je m'efforçais de la terre pour trouver le droit chemin.